Alors, merci Adriana. Je passe maintenant la parole au docteur Patrick Van Dessel. Donc, Patrick est coordinateur de programme santé au sein d'ENABEL, qui est l'agence belge de développement. Il va nous présenter les aspects médicaux de l'oxygénation chez des patients atteints du COVID-19. Et il complétera aussi sa présentation en évoquant la stratégie qui a été choisie par la République démocratique du Congo, où il est en poste actuellement. Cette stratégie concernant donc la prise en charge des patients COVID. Donc Patrick, tu as 12 minutes. Merci. Merci beaucoup, Cathy. Attendez. Je passe ma présentation. Une belle journée pour tout le monde de la belle ville de Kinshasa, entre-temps, où il fait beau, comme toujours. Donc voilà, comme Cathy m'a déjà dit, ma présentation portera surtout sur le point de vue médical de ce qui est l'approvisionnement en oxygène à un patient. Hein. RDC, un pays qui ne passe pas sans être remarqué dans le monde, avec des grands défis pour la santé. La RDC doit construire un centre de santé par jour, un hôpital par semaine, rien que pour répondre à son évolution démographique. Vous voyez quelle tâche ça veut dire. Pourtant, elle ne dépense pas plus que 1,5% de son PIB sur les deux secteurs de santé et éducation, comparé avec la Belgique, qui y dépense 6 et 11% de son côté. Donc, on peut parler d'une absence quasi totale d'investissement public dans ce qui est le secteur santé. En plus, une fragilité de gouvernance et, il faut admettre, des abus de droits de l'homme dans le cadre de l'instabilité sécuritaire, surtout dans l'est du pays. Et la réponse du gouvernement, du ministère de la Santé, un engagement très clair au début de cette année que la RDC veut entamer la couverture sanitaire universelle avec la mise en place d'une maladie d'assurance. Mais elle est confrontée avec des problèmes, une faible couverture sanitaire, faible qualité des soins et surtout faible accès financier aux soins et services. Ici à droite sur votre écran, vous voyez les provinces d'intervention de ENABLE, qui est l'agence belge de développement. Avec les flèches rouges, vous voyez dans quelles provinces nous intervenons spécifiquement dans le secteur santé. Donc, il s'agit de Nord-Ubangi dans le nord, il s'agit de Tchopo dans l'est du pays, et au niveau central, ici dans la province de Kinshasa, avec l'objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans un cadre global de lutte contre la pauvreté. Quelques résultats, une approche multiniveau, multi-acteur, c'est-à-dire nous essayons d'être une agence confédérateur dans les apprises avec une mise en échelle des ressources qui sont possibles. Avec surtout un accompagnement de la RDC sur sa route vers la CSU en tant que gouvernance, couverture d'infrastructures, digitalisation des services de santé et hospitaliers, un financement à travers la tarification forfaitaire subsidiée, approvisionnement en médicaments, etc. Pas oublier, nous sommes aussi actifs sur le plan des victimes de violences sexuelles et nous avons développé avec nos partenaires un modèle national de prise en charge. Alors, en ce qui concerne maintenant la riposte de la RDC contre la pandémie COVID-19, sous le leadership du comité multisectoriel de la riposte, qui est dirigé par le Premier ministre lui-même sous leadership du chef d'État, ben vous voyez que ici, la structure assez complexe de cette riposte qui n'a pas été facile à coordonner. Et là, vous allez tout en bas à gauche, un cluster de différentes commissions nationales et nous avons donc appuyé à cette commission de prise en charge médicale. Vous la voyez de nouveau ici, avec en sa dépendance les centres de traitement COVID-19 dans lesquels nous sommes en appui spécifiquement au niveau de l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa. Qu'est-ce que nous voulons? Nous continuons un peu notre rôle comme agence de développement avec gouvernance à la commission de prise en charge, réhabilitation de centres de traitement
COVID, pardon, et la dotation d'équipements protectifs, médicaments, ambulances. À ce stade-ci, nous finançons des études de séroprévalence pour avoir une meilleure idée de la propagation du virus dans la population congolaise. Et ne pas oublier, sensibilisation autour des violences sexuelles, surtout dans la ville de Kinshasa. Alors, sur le domaine de la présentation d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'oxygénothérapie? Ben, vous voyez là les deux possibilités. Les possibilités invasives, le respirateur mécanique, hein, avec tout son circuit qui est protégé pour l'administrer aux patients, ce qui sera développé aussi dans la prochaine présentation de mon collègue, et la catégorie non-invasive avec toutes les possibilités. Alors, l'oxygénothérapie, ce qu'elle veut faire, c'est corriger une hypoxémie artérielle. Ça veut dire qu'elle veut rétablir la pression de l'oxygène dissous dans le sang artériel, qui est normalement comprise entre 90 et 112 mm mercure. On parle d'une hypoxémie, donc, quand cette pression de l'oxygène chute en dessous de 80 mm mercure. Et le traitement de l'oxygénothérapie, ce qu'elle cherche à faire, c'est restituer la saturation d'oxygène dans le sang artériel. Vous voyez une photo de ce qui peut provoquer cette hypoxie. L'hypoxie elle-même est donc une diminution de la quantité d'oxygène délivrée au tissu, et selon les situations, l'hypoxie peut être accompagné ou non d'une hypoxémie. L'oxygénothérapie, mon collègue de l'OMS a déjà dit, est considérée un médicament essentiel. Donc, c'est normal qu'elle soit administrée sur prescription médicale, soit par masque ou lunettes, nous allons voir cela, soit qui sont tous connectés à une prise de bouteilles ou bonbons d'oxygène ou d'autres possibilités. Alors, dans le cas extrême, cet oxygène sera administré pas seulement par des respirateurs non invasifs, mais dans un cadre de soins intensifs, sous un coma artificiel induit avec un respirateur mécanique invasif. Dans quel genre de cas de COVID-19 est-ce que nous allons appliquer? Ben, vous vous souvenez, 40% des cas de COVID-19 sont asymptomatiques ou légèrement malades, 40% modérément malades, 15% gravement, donc ils nécessitent une oxygénothérapie, et de ces malades, 5% auront besoin d'un cadre de soins intensifs et une ventilation mécanique, donc invasive. L'oxygène comme médicament, ça veut dire qu'elle est soumise à des règlements rigoureux en matière de utilisation, donc ça doit être utilisé avec des protocoles bien clairement établis dans l'établissement de santé, mais aussi pour sa production et manipulation. Mon collègue plus tard va développer cet aspect. Ça veut dire que l'oxygène est aussi administré aux patients par un système qui est bien compliqué, mais qu'il doit être complet, sinon ça n'a pas de sens. Seulement, l'oxygène de qualité médicale doit être fourni aux patients. Ça, c'est notre but. Alors, pour constater la manque d'oxygène, j'ai peut-être oublié de dire ça avant, c'est un médecin qui doit réaliser un simple examen clinique de sang ou un oxymètre qui mesure donc cette saturation. Alors, n'oubliez pas que l'oxygène dans la bouteille ou dans le concentrateur est totalement inutile si on n'a pas également les accessoires pour distribuer, pour livrer au niveau de patients des masques, des lunettes, les tubes, les oxymètres. Recommander l'oxygène pour tout patient atteint d'un syndrome grave et critique de COVID-19 avec les doses que vous voyez. Des doses faibles en cas d'enfants de 1 à 2 litres par minute et des doses plus hautes chez adultes de 10 à 15 ou plus litres par minute en cas de masque avec sac réservoir, des canules nasales à haut débit ou avec ventilation non invasive ou invasive. Nous en reviendrons. Administration de l'oxygène aux patients. N'oublions pas que l'air que nous respirons tous et toutes est composé de, entre autres, 21% d'oxygène.
qu'un adulte respire, homme ou femme, 5 litres par minute d'air ambiant, duquel donc 21% est de l'oxygène, et que l'oxygène médical contient au moins 82% d'oxygène comme standard. Ben voilà. En soins intermédiaires, nous donnons de cet oxygène médicinal moins que 6 litres par minute. Si on a besoin de plus de ce débit, nous devons créer un cadre de soins intensifs où on peut donner entre 16 à 15 ou plus litres par minute. Ça veut dire que par jour, un patient sous respirateur, en besoin de 10 litres par minute, consomme un total de 14 400 litres. Ça veut dire que plus d'une bonbonne de 50 litres. Alors, comment est-ce qu'on fait livrer l'oxygène aux patients? Ben, deux possibilités. Nous souhaitons parler ici plutôt de manière non invasive. Donc, vous avez les lunettes d'oxygène. Vous voyez la photo, vous connaissez tous. Dans ces cas-là, chaque augmentation de 1 litre par minute dans le débit d'oxygène médicinal veut dire 4% de plus délivré aux patients. Avec un masque d'oxygène, ça devient 10% d'oxygène livré en augmentation de 1 litre par minute dans le débit. Il existe aussi les masques à haute concentration du type Venturi, non-rebreathing masks, comme on les appelle en anglais, pour une livraison d'oxygène dans les cas sévères qui vont jusqu'à 60-95% d'oxygène. Alors, vis-à-vis cette oxygénation en RDC, nous avons dû faire des choix particuliers. Hein? Le constat, c'était au début de la pandémie, de la riposte, que nous avions une assez bonne production locale d'oxygène industriel, mais elle était transformable à de l'oxygène médicinal à Kinshasa, mais pas dans les provinces. Souvenez-vous qu'au début, presque tous les cas de COVID-19 étaient situés à la ville de Kinshasa. Donc, dans ce sens, la riposte a décidé de privilégier la ventilation non-invasive par rapport à la ventilation invasive. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il n'y avait pas assez de respirateurs mécaniques dans le pays, et même si on allait avoir des respirateurs mécaniques, il n'y avait pas assez de personnel qualifié, des médecins d'urgence, d'anesthésistes, etc. Et puis, il y avait trop peu d'infrastructures comme unités de soins intensifs dans les villes, mais aussi certainement dans les provinces. Deuxième décision particulière, c'est qu'ils ont toléré et puis intégré le traitement domiciliaire dans la riposte COVID-19. C'était très simple. Au début, à Kinshasa, nous avions des patients VIP. C'était le caractère de cas confirmé. Et nous avions aussi des patients avec légère symptomatologie, en plus sans comorbidité. Au début de la riposte, nous avions décidé de tous les mettre dans les centres de traitement de COVID. Pardon. Après, ça s'est devenu qu'un patient ira au centre de traitement COVID-19 quand il a des comorbidités. Rien à voir avec la symptomatologie. Si vous aviez des comorbidités, vous allez au centre de traitement COVID-19 avec une application d'oxygénation assez tôt dans la prise en charge. Pourquoi? Ben, la comorbidité était identifiée comme le facteur principal de corrélation avec mortalité à Kinshasa, encore plus que l'âge. Donc, ça veut dire que d'ici peu, avec une propagation chronique de cette épidémie, nous allons peut-être regarder à la possibilité de oxygénothérapie organisée à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la RDC, comme une bonne partie de l'Afrique, je dirais, a eu de la chance. La pandémie ne s'est pas présentée avec les mêmes dramatiques épidémiologiques comme on l'a vu dans des autres continents. Mais ce n'est pas encore fini. Alors, indication de cette oxygénothérapie dans le cas d'un patient COVID-19, ben, dès le moment qu'il a hypoxie, hypoxémie, même avant, je dirais. Donc, et ça doit être dans un patient pendant la journée en état de repos.
Donc, si on constate hypoxie, c'est déjà un patient qui est sur la liste pour l'oxygénothérapie. La ventilation pulmonaire mécanique pour le traitement de la détresse extrême respiratoire et dans le traitement de ce qui sont les comorbidités, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la pneumoconiose, la pneumonie, l'infarctus et l'embolie pulmonaire. Or, COVID-19, nous savons tous, nous utilisons l'oxygénothérapie dans les brûlures respiratoires et dans l'intoxication au monoxyde de carbone, comme partie intégrante de la procédure de réanimation et comme maintien d'oxygénation en cas de chirurgie. Et, pas oublier, on l'organise aussi à domicile pour les patients nécessitant d'une oxygénothérapie de longue durée. Alors, une fois un patient sous oxygène, il faut le surveiller. Observer s'il n'y a ni tout changement en lien avec la tension artérielle, le pouls, fréquence respiratoire, mode respiratoire, signe de détresse, cyanose, et les modalités de surveillance, tout comme l'oxygène, doivent être prescrites par le même médecin traitant. Quand on va surveiller l'état cutané, regardez la couleur de la peau, est-ce qu'elle est rosée? Est-ce que les muqueuses nasales sont rosées? Est-ce qu'on peut remarquer peut-être des lésions dues au masque et aux lunettes de l'oxygénothérapie même? Précaution, lors de la mesure de la saturométrie, il y aura, j'ai compris, encore un webinaire sur l'utilisation d'oxymètre plus tard. Donc, vérifier la bonne perfusion périphérique au bout du doigt, sans vernis à ongles et sans. Vous attendez l'amplitude maximale du signal de pouce et vous attendez jusqu'à la stabilisation du signal de votre oxymètre. Quelques conseils comme conclusion. Je répète, c'est important, le traitement d'oxygène doit être réalisé par un personnel soignant formé. C'est le cas déjà pour des oxygénothérapies non invasives, mais c'est certainement le cas pour la respiration mécanique sous soins intensifs. Les bonbons d'oxygène, on n'utilise pas ça de n'importe quelle manière. Position verticale, elle doit être bien fixée, robinet fermé. Quand vous la déplacez, ne le traînez pas par son robinet sur le sol et n'utilisez surtout pas aucun produit graisse ou lubrifié sur tous les accessoires ou la bonbonne. Les concentrateurs d'oxygène, c'est un peu la même chose, position verticale. Eux, ils doivent être utilisés dans un espace avec ventilation et à moins qu'un mètre de prise de courant de rideau et avec un tube d'administration qui ne devait pas être plus long que 10 à 11 mètres. N'oubliez pas, pour un concentrateur d'oxygène, il va vous falloir de l'électricité. D'autre côté, pour une bonbonne d'oxygène, on doit avoir besoin, pardon, d'un fournisseur d'oxygène médical. Il est interdit de fumer, brûler des bougies, cuisiner au feu ouvert pendant l'administration d'oxygène de n'importe quelle méthodologie. Il faut se laver les mains avant d'administrer. Il ne faut pas appliquer sur le visage du patient des crèmes ou des produits gras. Finalement, n'oublions pas que les méthodes non invasives d'oxygénothérapie, comme d'ailleurs aussi l'intubation d'un patient, peuvent produire d'aérosols du coronavirus, contaminés par le coronavirus. Donc, prenez vos précautions vis-à-vis de l'air de la part des travailleurs de la santé qui les utilisent. Je vous remercie beaucoup. Et je rends la parole à Cathy. Merci. Je repartage mon écran. Si ça veut bien. Décidément. Bon, je n'arrive pas à repartager l'écran, c'est pas grave. Donc, merci Patrick là, pour cette présentation, donc très instructive. Et puis, évidemment, le témoignage aussi sur la RDC. C'était aussi très important de rappeler les précautions d'emploi et les risques encourus en fait en matière d'utilisation de l'oxygène, parce qu'on oublie aussi trop souvent qu'on a effectivement affaire à des choses qui peuvent être potentiellement très dangereuses pour le personnel et pour les patients en cas de mauvaise utilisation.